Bonjour à toutes et à tous. Donc je vous fais une vidéo pour remplacer les 2 heures de mercredi et jeudi. Donc prenez ça en note, le plus tôt c'est le mieux, sachant que vendredi on fait donc un DS sur le chapitre 4. On était donc dans la deuxième partie, après avoir expliqué un petit peu ce que c'était la transition démographique, on va voir qu'il y a différents défis qui se posent d'un point de vue justement de la population. Et le premier défi qu'on étudie, c'est donc le défi du vieillissement au Japon. Vous aviez plusieurs documents et 5 questions. Donc je vais corriger ça juste, je fais ça parce qu'on a toujours des mauvaises surprises, hein. Le Japon, c'est bien ce pays-là, donc qui est en rouge ici, et donc qui est composé de plusieurs îles. Enfin, 4 îles principales et plusieurs autres petites îles, en fait. Donc voilà, à savoir et à ne pas confondre avec d'autres pays asiatiques, s'il vous plaît. La première question, c'était donc de décrire le vieillissement de la population au Japon. Alors, dans la correction, je vais vraiment insister sur ce qu'on avait commencé à avoir, hein, quand on étudiait un peu des documents, c'est-à-dire toujours faire référence aux documents de manière précise, avec des citations précises. J'ai pas le temps de corriger l'intégralité de ce que vous m'envoyez, mais dans ce que j'ai vu dans vos réponses, ça manquait souvent. Il faut toujours s'appuyer sur des citations précises des documents. Donc là, en l'occurrence, décrire le vieillissement au Japon, il y a plusieurs choses plusieurs citations qui nous intéressent. La première, alors, c'est celle-là. Dans ce document, la ligne 24-25, on dit que le document 3, hein, les plus de 65 ans enfin, représentent 27,2% de la population, ce qui est donc assez considérable. Et d'autre part, vous avez d'autres informations intéressantes, puisque là, on nous explique que, avec ces deux citations que j'ai mises, que je vous laisse lire en détail, donc l'idée c'est de mettre les citations et de rajouter un peu des informations. Ce qu'on peut déduire de ces deux citations, puisqu'on nous dit qu'il y a 1,3 million de Japonais qui ont eu 20 ans au moment de l'article, quoi, 2018, je crois, et qu'ils étaient 2,07 millions en 1994, ça veut donc dire qu'il y a une division quasiment par deux en 15 ans. Et là, vous ne vous contentez pas, vous voyez, juste de citer les documents, mais vous faites un calcul simple pour interpréter, pour rendre les choses plus concrètes. Dire que, bon, il y avait 1,323 millions contre 2,07 millions avant, c'est ce que dit le document, là, vous rajoutez une petite information. Ça a été divisé pratiquement par deux en 15 ans. Donc ça, c'est pour vraiment décrire le côté vieillissant, c'est-à-dire il y a de plus en plus de personnes âgées et par contre-coup, il y a de moins en moins de personnes jeunes. Deuxième question, quels sont les arguments qui montrent que c'est un problème, le vieillissement de la population? Alors là, il y en avait plusieurs. Premier argument, enfin premier élément, c'est la hausse des dépenses de sécurité sociale. Donc là, j'ai mis une citation du document 5, hein, qui montre qu'il y a une augmentation du budget, enfin des dépenses de sécurité sociale. Là, à nouveau, l'idée, c'est de faire un calcul. Comme ça passe de 17,6% à 30,5%, on fait en gros, hein, on n'est pas en maths ou quoi, c'est pour donner un ordre d'idée. C'est à peu près une multiplication par deux en 15 ans. Et pour essayer de rendre ça plus explicite, pour ajouter des explications, comme je vous demande de le faire quand on étudie des documents, il faut expliciter pourquoi. Parce que les personnes âgées ont plus de problèmes de santé. Et donc, forcément, on dépense plus pour ces personnes-là. Deuxième problème, le problème des retraites. Là, je vous ai mis une citation également, puisque on nous dit que la population active va passer donc de 65,8 millions en 2013 à 38 millions en 2060. Donc, population active, ça veut dire population qui travaille. Et on sait, grâce au document 3, ligne 24-25, que les personnes âgées représenteront 40% de la population. Donc, ce qui pose problème ici, puisqu'en fait, les retraites, je pense que vous comprenez l'idée, c'est les gens qui travaillent qui financent les retraites, des gens qui ne travaillent plus. Et donc, comme la part des actifs par rapport aux retraités, elle est en diminution, ça pose un réel problème de financement des retraites, puisque je prends des exemples fictifs, mais si vous avez un retraité pour 5 personnes qui travaillent, donc bah, l'équilibre, il est comme ça veut dire que les personnes qui travaillent vont devoir cotiser en partie. Mais si vous avez d'un coup un retraité pour une personne qui travaille, je prends un exemple extrême, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça veut dire qu'une personne qui travaille toute seule va devoir à elle seule financer. Alors il y a d'autres, je ne rentre pas dans le détail du calcul, mais néanmoins elle va devoir financer beaucoup plus pour que la personne à la retraite puisse avoir une retraite. Donc c'est pour ça qu'il y a un problème éventuellement de financement des retraites. Et c'est quand même pour ça, les mots sont assez forts, que le Premier ministre parle de crise nationale pour décrire le vieillissement de la population au Japon. Néanmoins, pour nuancer,
Et c'est pour ça que je vous avais demandé, enfin, je vous avais posé la troisième question, quels sont les arguments qui montrent que le vieillissement peut aussi être un atout? Alors, là, il y en avait aussi plusieurs. Le premier, c'est un argument écologique. C'était dans le document 2. Ce qu'il faut protéger, ce n'est pas notre argent, mais nos monts et rivières. Être moins nombreux, ça permet de protéger plus facilement l'environnement. Alors, c'est une idée qu'on pourrait nuancer aussi, hein, mais c'est ce que dit le document. Il dit, si on est moins, on fait moins de... L'idée, hein, c'est que moins il y a de gens, moins il y a de pression sur l'environnement. En tout cas, ça a des chances de la faire diminuer. Même si on change rien, si vous avez, vous passez de 120 millions de Japonais à 80 millions de Japonais, la pression environnementale va être moins forte. Deuxième argument, c'est un argument, on va dire, de bien-être, de confort de vie, puisque dans le même document, on nous explique qu'être moins nombreux, on pourrait, si on est moins, en fait, on peut envisager de vivre mieux, on aurait par exemple plus de place, etc. Avec l'idée qu'on pourrait par exemple réguler l'économie, instaurer de nouvelles règles pour mieux vivre ensemble. Troisième et dernier argument, c'est un argument économique. Le vieillissement, on vous dit, c'est un atout parce que cela incite la troisième économie du monde à innover. Ça, c'est dans le document 4. En fait, ça développe de nouveaux secteurs d'activité. Et là, je vous rajoute une notion importante que vous pouvez, enfin, que vous devez noter dans le cours qui n'était pas dans les documents. On appelle ça la silver economy. Pour peut-être notez-le si c'est pas clair, la silver economy, c'est les secteurs liés aux personnes âgées. En fait, on appelle ça silver economy parce qu'ils ont les cheveux gris silver, c'est argent, enfin couleur gris argent en anglais. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Et en l'occurrence, dans les documents, vous avez deux exemples de nouveaux, enfin de gros secteurs différents. Le premier, ça va être tout ce qui est robots, capteurs, intelligence artificielle. Ça pousse à développer ces secteurs-là au service notamment des personnes âgées. Et deuxième type de secteur, plutôt des secteurs de services, c'est le secteur des services aux seniors, des soins médicaux. Donc l'idée ici, vous comprenez, c'est que les personnes âgées sont aussi susceptibles de développer, enfin d'être à la cause du développement de nouveaux secteurs économiques. Donc vous voyez, il y a des choses négatives qui posent problème dans le vieillissement, mais il peut aussi y avoir des atouts, c'est une question qui est débattue, hein, et d'ailleurs le Premier ministre, vous voyez que dans deux documents, il dit deux choses différentes, hein, il dit qu'il y a une crise nationale et en même temps il dit qu'il peut y avoir des atouts. Quatrième question, commenter l'évolution de la population japonaise telle qu'elle est prévue dans le futur. Alors là, il fallait s'appuyer sur ce document-là. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que le problème, ça c'est vraiment très important à comprendre, c'est pas seulement celui du vieillissement, mais c'est aussi un problème de baisse de la population. Quand on regarde ce graphique, normalement, par rapport à tous ceux qu'on a étudiés jusqu'à maintenant, il y a quand même quelque chose de très différent. Nous, on avait vu, quand on avait étudié la transition démographique, qu'à la fin, le taux de natalité et le taux de mortalité, ils étaient proches, mais que le taux de natalité restait plus élevé. Or, ici au Japon, et ça c'est très important de le remarquer et de le noter, à partir en gros environ de 2010, le taux de natalité devient inférieur au taux de mortalité. On en a un exemple précis. Dans le document 3, on nous dit qu'en 2017, il y a eu 941 000 naissances et 1,3 million de décès, c'est-à-dire qu'il y a 360 000 personnes en moins cette année. Alors, ce chiffre, enfin, c'est pas obligé de noter ça, mais je vous le dis, ce chiffre pourrait être compensé, dans d'autres pays c'est le cas d'ailleurs, par l'immigration. Mais le Japon est un pays relativement fermé, avec peu d'immigration, donc ça ne compense pas du tout, pour l'instant en tout cas. Donc on a un problème assez fort qui est celui de la baisse de la population, avec un modèle donc dont pour l'instant le Japon ça fait partie des. C'est très rare hein, qu'on ait cette situation-là, mais peut-être d'autres pays seront touchés par ça, on ne sait pas. Donc il y a un problème de baisse de la population. Au point que on évalue, et ça vous pouvez noter ce chiffre-là, les estimations pour l'instant évaluent que la population japonaise, qui est bon, en 2018 hein, à 126 millions, risque de tomber à 88 millions en 2065. J'ai juste mis la comparaison avec la France pour qu'on se rende compte. En France, on est 67 millions. On estime qu'en 2065, on sera 76 millions. Donc une augmentation, pas extrêmement forte, mais une augmentation tout de même. Et ce graphique nous montre ce qu'on a déjà étudié, hein, c'est-à-dire que la part des jeunes, en plus, diminuerait beaucoup, alors que la part des personnes âgées, elle, augmenterait. Ce qui pose tous les problèmes qu'on a vus auparavant. Et alors, dernière question qu'il faut qu'on se pose, quelles mesures concrètement on peut prendre pour lutter contre ces évolutions de la population japonaise? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire deux choses. Il y a la première qui est évoquée dans les documents, c'est
ce qui est évoqué dans le document 5, financer des politiques sociales plus orientées vers la natalité. C'est le Premier ministre, a proposé la gratuité des crèches et de l'école maternelle, par exemple. Donc ici, on met en place des politiques de natalité, c'est-à-dire qu'on veut inciter les gens à avoir des enfants. Ça peut aussi passer par des politiques d'aide sociale. C'est ce qu'il y a en France également. En France, vous avez des aides quand vous avez des enfants. C'est une manière de dire aux gens, n'ayez pas peur de faire des enfants, même si ça représente un coût, l'État va vous aider parce qu'on préfère que les gens fassent des enfants, au moins pour renouveler la population en fait. C'est-à-dire 2 enfants par femme, en moyenne. Et deuxième chose qui n'est pas évoquée dans les documents mais que je rajoute ici, c'est également reculer l'âge de la retraite. Ce graphique est assez intéressant puisque si on prend le cas du Japon, vous voyez que l'âge de la retraite par rapport aux pays qui sont comparés ici, il est assez élevé. Sortie du travail, hein, 67,6 ans. 6 ans. Sachant qu'en France, par exemple, alors ce chiffre va probablement changer, hein, puisque enfin, va changer, c'est sûr, en fait, puisqu'il y a une réforme des retraites, hein, qui a reculé l'âge de départ à la retraite, mais en 2018, l'âge de départ à la retraite était de 59 ans. Au Japon, on est à 67. Donc ça fait quand même une grosse différence, quasiment 8 ans, avec l'idée, bah, comme on l'a vu avant, c'est que si vous travaillez plus longtemps, on n'a pas besoin de financer votre retraite aussi vite, et vous-même, vous continuez à financer la retraite des gens qui sont déjà à la retraite. Donc ouais, il y a ces deux possibilités-là pour essayer de lutter contre les problèmes de baisse de la population et de vieillissement de la population au Japon. Voilà pour ce premier défi. On va terminer par un deuxième défi qui est cette fois le défi du nombre. Et on va prendre cette fois-ci l'exemple de l'Inde. Dans votre manuel, vous avez ce document-là qui nous montre l'augmentation de la population indienne. Et ce qu'il faut bien souligner, c'est que cette augmentation, elle est extrêmement forte et extrêmement rapide. Il faut quand même se rendre compte, hein, en 1950, on est un peu au-dessous de 0,5 milliards. En 2018, on est entre 1,3 et 1,4 milliards. Donc on a une multiplication par 3 de la population totale en 60 ans. C'est absolument énorme. Donc c'est ça qu'il faut bien retenir pour bien comprendre ce qu'on va dire après. Et bon, là on n'est pas en classe, hein, mais je vous aurais demandé pourquoi, qu'est-ce qui explique cette augmentation, et vous auriez dû me répondre que c'était ce qu'on avait vu, c'est-à-dire la transition démographique. Vous vous souvenez, on avait étudié ce graphique de l'Inde, parce que la transition démographique n'est pas encore terminée, l'accroissement naturel est encore très fort. L'écart entre la courbe de natalité et de mortalité est encore très fort, et donc la population augmente. Alors quel problème est-ce que ça va poser, cette augmentation très 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 rapide de la population? Un premier problème, ça va être la mise en place de bidonvilles. Donc là, vous pouvez faire des tirets. Premier tiret, la mise en place de bidonvilles. Alors, un bidonville, c'est ce que vous voyez représenté sur ces deux photos à deux échelles différentes. Donc là, on le voit un peu du dessus. Et là, vous avez quelque chose de plus zoomé. Donc on voit plusieurs caractéristiques, hein, de ce bidonville. C'est fait avec des matériaux de récupération. Il n'y a pas de service de style eau, électricité. Les habitants sont plutôt pauvres, hein. Là, par exemple, les gens sont pieds nus. Ils sont entassés. On voit que c'est quand même assez dense comme manière de vivre. Et donc on peut noter cette définition de bidonville qui est un ensemble d'habitations précaires, sans les services de base, généralement faites de matériaux de récupération et dont les habitants ne possèdent pas de titre de propriété. Donc, je laisse mettre pause pour noter cette définition. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces gens-là se sont installés ici, entre guillemets, sans avoir le droit. Ils ne sont pas propriétaires de cet endroit, mais ils se sont mis là parce qu'ils n'avaient nulle part d'autre où aller. Donc ça, c'est le premier problème. La création de bidonville. Deuxième problème, et qu'on voit ici, c'est que ici vous avez le bidonville, et là vous avez une ville qui est quand même en fait plutôt moderne. Donc deuxième problème, c'est la question, enfin l'augmentation des inégalités. Comme la population augmente très très vite, il n'y a pas du tout, enfin ça crée des inégalités qui mettront peut-être du temps à se résoudre, on ne sait pas ça, mais en tout cas actuellement ça crée une très forte inégalité. Troisième problème qu'on peut évoquer, c'est la difficulté à assurer les services de la vie quotidienne. Les écoles, les hôpitaux, la nourriture, les transports. Vous avez peut-être déjà vu des images comme ça. Je vous mets d'ailleurs un reportage du journal télévisé de France 2 qui vous explique un peu plus en détail, c'est la question des trains. Ces images-là, en fait, ne sont pas inventées, hein. Il y a un vrai problème en Inde de transport. Les trains sont complètement surchargés
Et du coup, ils sont très dangereux aussi. Parce que vous déplacer comme ça, en fait, c'est très dangereux. Il y a 25 000 morts par an, à cause de trajets comme celui-ci. Voilà pour l'Inde. Ce que j'aimerais que vous notiez en dessous pour élargir un petit peu, c'est que tous les pays émergents, tous les pays en développement ont ce genre de problème. Et donc pour terminer ce chapitre, j'aimerais en fait qu'on se pose une dernière question. C'est vous pouvez en quelque sorte mettre ce titre-là comme une sorte de conclusion au chapitre. Donc conclusion, se pose la question, quand on regarde ce qui se passe en Inde par exemple, et comme beaucoup de pays connaissent des augmentations de population aussi, question, sommes-nous trop sur Terre? J'élargis un petit peu, hein, mais il y a des personnes qui pensent que oui. Ça date notamment, enfin pas que, mais il y a eu un livre qui est sorti qui dans les années, je sais plus quand il est sorti en fait, qui s'appelle La bombe P, la bombe population. Donc, ce que vous pouvez noter, c'est que pour certains, l'augmentation de la population va conduire à l'effondrement des sociétés. Donc, vous voyez avec l'idée ici que en fait la Terre qui est là, et en fait, ça représente l'humanité, elle prend les ressources de la Terre et qu'on n'en aurait pas assez. Cette idée, elle est reprise, elle est diffusée, elle est très populaire, et vous avez des trucs beaucoup plus récents, hein. Donc vous voyez là Le Point qui titrait il n'y a pas longtemps sur la bombe humaine, avec l'idée que ça va être un problème, hein, ce qu'on n'ose pas dire, etc. Ici, l'alerte mondiale sur le fait qu'on va être trop, une surpopulation, etc. Donc vous avez noté, hein, certains pensent que oui, l'augmentation de la population va conduire à l'effondrement des sociétés. Mais il faut nuancer cette idée. Il faut se méfier des idées un peu catastrophistes. Alors là, je vous mets pareil une autre vidéo si ça vous intéresse en lien d'un démographe qui explique pourquoi il faut nuancer cette idée. Donc ce qu'il faut noter en dessous, donc, pourquoi il faut nuancer? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la surpopulation, ça n'existe que par rapport aux ressources. C'est ce que j'ai noté à droite. La question, c'est pas tellement combien on est, mais comment on vit. Et donc, c'est une question qui est plutôt économique et environnementale que démographique. Je vous ai mis à gauche ce graphique pour vous faire comprendre pourquoi. Ce graphique qui représente combien de planètes il faudrait si, par exemple, on prend le cas de la France, si tout le monde vivait comme un Français moyen, il nous faudrait trois planètes Terre. Donc vous voyez, c'est trop, hein, il n'en a qu'une. Mais on peut aussi prendre d'autres exemples. L'Inde, on a dit, ils sont 1,3, entre 1,3 et 1,4 milliards. Si tout le monde vit comme un Indien moyen, il y a besoin de 0,7 terres. Donc si finalement on arrive à changer nos modes de vie, on pourrait imaginer qu'on arrive tout à fait à occuper la planète Terre et à ne pas épuiser ses ressources. Je vous donne juste un autre exemple. C'est sur la nourriture. Cette caricature, elle montre qu'il y en a un grand problème aujourd'hui sur Terre. Il y a des gens qui meurent de faim, hein, c'est le personnage de gauche, alors qu'il y a d'autres personnes qui ont largement assez à manger, au point que dans les pays développés, le problème, c'est plutôt l'obésité. Et donc, on pourrait se dire, mais si on était moins, ce serait peut-être mieux, parce qu'on pourrait mieux répartir la population, la nourriture qu'on a. Alors, peut-être, mais en fait, aujourd'hui, on a actuellement de quoi nourrir toute la population mondiale. On a même plus que ça en fait. Donc aujourd'hui, si on s'organisait différemment, théoriquement, on pourrait nourrir tout le monde. Donc finalement, le problème n'est pas tellement de combien on est, mais de comment on utilise nos ressources. Voilà pour ce chapitre. Vous prenez en note ce que je viens de dire dans la vidéo et vous m'envoyez votre prise de notes sur Pronote. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, bien sûr, puisque donc comme je vous disais, vendredi, vous allez avoir un devoir sur ce chapitre 4. Il est essentiel que vous révisiez bien, 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 notamment tout ce qu'on a fait sur la transition démographique. Vous allez devoir expliquer des courbes de transition démographique dans le DS, entre autres. Donc il faut bien, bien, bien comprendre ce qu'on a fait en classe ou en distanciel. Et réviser également ce qui a été fait dans cette vidéo. Voilà, je reste joignable sur Pronote et je vous souhaite une bonne semaine.